Meneur d'allure, notre rôle principal, c'est d'accompagner les coureurs, tant Marseille-Cassis, à réaliser un temps. Donc en l'occurrence, nous deux, on fait 2h15. On sera répartis dans différentes vagues et on aura les coureurs qui voudront faire ce temps-là, qui vont nous suivre avec les allures que l'on va leur faire faire au fur et à mesure du parcours. Moi, j'ai déjà fait deux fois. Moi, je l'ai fait 7 ou 8 fois. Moi, c'était un petit peu moins de 2 heures, 1h58, le meilleur temps. Moi, 1h51. Alors, non, on est sur des bases beaucoup plus larges, parce que justement, l'objectif, c'est de pouvoir parler aux gens, les accompagner, pas forcément faire la performance, là, c'est pas l'objectif du jour. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi des allures beaucoup plus souples pour pouvoir justement être à l'aise. Alors, en fait, nous, on prépare un marathon, donc pour fin novembre. Donc plutôt que de se blesser à vouloir chercher une performance sur Marseille-Cassis qui ne nous aurait rien rapporté pour dans un mois, on a préféré faire meneur d'allure et aider les personnes à remplir leurs objectifs. Et à réaliser leurs rêves pour certains. Ouais, c'est un rôle qui est super sympa, qui est aussi très, très important pour eux, très gratifiant. Enfin, c'est vraiment une belle expérience. On a essayé à l'entraînement, on s'est entraîné. Et bien, comme on a quand même l'expérience, puisqu'on fait partie de l'ASCO, on est entraîné. Donc du coup, on a l'habitude des temps en faisant du fractionné, des longues distances. Et on a un papier avec nos allures imposées. Et on va respecter au mieux les allures par rapport à la difficulté du parcours. Voilà.